Salut les mecs, ça va? Salut les mecs, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Enfin, j'ai le crâne luisant frérot, c'est aberrant frérot. Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les amis, on est bientôt 160 000, j'aimerais bien qu'avec cette vidéo on les dépasse parce que ce serait trop bien. Je me rassois, vous permettez? Ouais, nickel, allez go, on se fait ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, partie finale. C'est la partie finale de la prépa du CRF. C'était une petite série de 2-3 vidéos, ça va me manquer, mais bon, voilà. Toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui, dernier épisode, et on verra plus tard ce qu'on va en faire. Du coup, voilà. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait trop plaisir. Je sais que c'est l'été, les amis, mais nous, comme je l'ai déjà dit, on s'arrête pas. Je vais chercher à boire. Ah non, mais je te jure, maintenant on se pose, hein. On se tape les petites boissons, tout ce qu'il faut. Hein. À Tchoukou, allez, je te le dépose juste là, hein. Tu veux des chips? Vous validez ou pas ces chips là les mecs? Franchement, une dinguerie hein. Vous voulez pas venir faire la vidéo à ma place? Là on va déballer le colis que j'ai reçu ce matin. On y va, on va chercher le colis. 3000 pouces bleus les amis, nouvelle vidéo faites-le parce que sinon il y aura pas d'autres vidéos, je vous menace là. Là c'est des menaces là que je fais là. Ouais frérot, c'est Jackie Chan. Bon voilà les amis, alors regardez le colis. Voilà, je pense que vous voyez ce que c'est les amis. Kit carénage complet. On va se déballer ça, vous allez voir. On passe sur du blanc, blanc cassé, blanc chiné, blanc Ikea frérot. On a la plaque phare. Oh putain. C'est grand quand même. Normalement les amis, on a tous ces au complet. Et j'espère que c'est pour la bonne année. Parce que je l'ai acheté soi-disant pour un 2021. Sauf que vous savez, celui-là c'est le 2022. C'est de toute beauté. Wow, regardez comment c'est trop beau. Mais ouais, franchement elle va me manquer hein. Elle va me manquer elle. Oh les amis, j'ai même pas envie d'attendre la fin de la vidéo pour vous montrer le kit déco parce que je sais qu'il y en a qui vont partir. Mais je veux trop que vous le voyez, c'est une dinguerie. Mais vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir le résultat. Franchement, là, j'ai pas blagué. On prend la petite boîte à outils, on démonte tout ça, vous allez voir, ça fait tout bizarre. Ça fait comme si elle était à nu, comme si elle venait d'avoir un crash. Petit accéléré, c'est parti. Allez, go, allez, vous venez avec moi, on y va. Donc voilà les mecs, la selle est enlevée. Bon, regardez ce qui est relou, c'est que pour un 2022, le Honda il part. Mais vous allez voir, on a reçu une autre selle avec, du coup ça va être bien. Du coup vous allez voir, c'est trop simple. Il y a que quelques vis sur le CRF. En même temps, pour la taille de la moto, vous allez me dire. Oh les amis, là je peux vous dire que je galère à mort. C'est pour les carénages arrière. Il y a plein de petits trucs comme ça. Vous voyez qu'ils servent de... Bah du coup je vais devoir les récupérer pour les mettre sur les nouveaux. Mais plein de petits trucs comme ça. Et ça sert à tenir en fait sans mettre de vis. Mais c'est une galère à enlever. Il faut forcer sans trop forcer, sinon ça les démolit. Oh les mecs, là c'était sportif. On peut direct prendre le garde-boue arrière du coup pour mettre sur le nouveau. Oh regardez les mecs, c'est blanc, c'est tout neuf. Oh, quand c'est neuf, c'est beau. Hein. Et du coup, il venait tout simplement ici. Ça vient comme ça et ça passe en dessous. Et puis voilà, ça se reclipse et puis sympa. Du coup, on va faire ça pour tout. Et puis on verra bien à la fin, le résultat. Du coup, voilà les amis. Ce que ça donne, une CRF 2022 à poil. Ah les amis, là on n'a pas d'autres termes. On dirait vraiment une dirtbag chinoise. Sauf qu'on n'est pas du tout là sur la niveau gamme de prix là. Bon, c'est un chantier ici. Bon bah là maintenant on va passer au kit déco blanc. Cette magnifique les amis, 3, 2, 1, let's go. Les amis, je pense qu'il est temps de vous parler du kit déco. Alors les amis, c'est la marque Backyard qui me l'a envoyé. J'ai du mal à prononcer. Et regardez la dinguerie qu'ils m'ont faite les mecs. Vraiment, ouvrez les mirettes. Parce que là, c'est quelque chose hein. Là, quand je vous dis que c'est quelque chose, je blague pas hein. 1, 2, 3, let's go. Waouh. Ah ouais, il tue là, la lumière, on voit bien. Oh là là, regardez les amis, c'est vraiment des pièces de qualité hein. Ça rigole zéro. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ah ouais, vous allez voir quand je vais vous faire filmer quand ça va être tout fini. Je pense que là faut pas trop regarder. On le met sur la moto et on juge. Mais c'est une dinguerie. Un grand merci à Backyard. Il y a le lien en description si vous voulez les amis. Vous pouvez faire toute votre moto, tout personnaliser, mettre des paillettes. De toute façon, il y aura des flancs de coupe sur le kit déco. Vous allez kiffer à la fin de la vidéo. Oh putain, il est trop beau. J'ai hâte, on monte ça direct. Bon les amis, autant vous dire que là je suis épuisé, j'en peux plus. Il est 21h13, attendez, est-ce qu'on arrive à voir 21h13 et je viens de finir la pose du kit déco. Franchement les amis, je suis KO, c'est un truc de ouf. J'ai tout fini, oh, attends mais j'allais vous le montrer, j'ai tout fini. Je pose ça sur la moto, je remonte tout ça et c'est parti pour la cinématique, je suis explosé. J'ai commencé à 19h, il est 21h30 bientôt, j'en peux plus. Bon les amis, vous le voyez derrière moi, il est 22h09, je viens de finir, je suis explosé, j'ai le résultat qui est là, je kiffe. Franchement bon, à l'arrache le kit déco à la fin, je suis dégoûté parce que c'est l'une des pièces qui se voit le plus. Mais normalement, dites-moi si je me trompe, mais avec des petites aiguilles, on peut enlever les bulles. Du coup là, je vais la faire à la surprise à mes potes, je vais leur cacher la bécane derrière des poubelles et dès qu'ils arrivent, je leur montre le résultat. Oh, regardez, elle est magnifique.
Allez, on y va, le résultat. Ok, là les mecs, faut mettre un casque. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je vous prends l'abri. Là, je m'en vais leur faire la surprise, le reveal. J'espère que ça se dit comme ça en anglais. Les mecs, on est avec le 110. Maman, il est trop beau, regardez. Et du coup, en fait, moi, je vais me cacher derrière des poubelles et je vais leur montrer. Putain, je crois qu'il y a trop de vent, on m'entend pas. Je vais me cacher derrière des poubelles et je vais attendre qu'ils arrivent pour leur montrer le résultat. C'est parti. Mise en place de la cachette. Bon, ok, donc là les mecs, j'ai caché la moto derrière une voiture. Hop, attendez, vous voyez pas trop. Voilà, et du coup, eux ils vont arriver de là-bas. Et quand ils vont arriver là, et eh ben ils verront que la voiture. En fait, je vais leur dire, vas-y, venez les mecs, venez. Et là, on révélation, révélation. Mais vous, je vous montre pas, vous, ça sera les magnifiques plans. Mais elle est trop belle. Bon, allez, là, je les attends. Putain, il a niqué mon plan. Il a niqué mon plan, il est arrivé de l'autre côté, bâtard. Je l'avais caché derrière la voiture. Allez, un. Incroyable. La bombe des... Attends, vas-y, filme-moi. Ils arrivent de là-bas. Non, ils arrivent de là-bas. Putain, pourquoi t'es le seul à être passé par là? Parce que eux, ils sont longs. Donc, qu'est-ce que t'en dis? Incroyable, putain, je vois plus rien. Le bolide allemand. Ah ouais, là, c'est... pailleté or. Pailleté or. Putain, le plan qui tombe à l'eau, les mecs. Ouais. Il est incroyable. Putain, là, c'est sur la fin, je me suis foiré, j'ai pété un câble. C'est la dernière pièce que j'ai mise. Ouais. Bon, après, il y a des petites bulles, mais avec la petite... tu sais, tu pinces, ça enlève. Après, nous, on a le petit stylo avec la petite pointe. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Putain, en plus, je l'ai caché là derrière la voiture. Je me suis dit, ils vont arriver de là-bas. Putain, il a tout niqué, il est pris de l'autre sens. T'as vu, là, on a mis les sponsors là. Maxes, Roof, 50 Factory. Pourquoi t'as crapouille? Ah, ça, c'est. C'est la puissance. Ouais. Et là, on peut dire que j'ai enfin mon nom sur une moto. Y'a ton nom sur la moto? Ouais, y'a mon nom. C'est qui? Mais là, je suis crevé. Là, j'y suis depuis... un petit peu 19h, j'y suis. Oui. J'en peux plus. Ouais, ça rend trop bien. Plus que la housse de sel et... Ouais, la petite housse de sel et puis c'est... Et ça sera bon. Oh ouais, elle ressort puis là, parfaitement. Tous les paillettes là. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais ouais, moi, je kiffe. Hein. Je kiffe de ouf. Bon, les mecs, y'a le deuxième équipage. Ils vont débloquer quand ils vont la voir. La première équipage, il y a foiré la surprise. Et le deuxième équipage, on va voir. Ah oui, ils sont là. Vous avez mangé quoi? Kebab. Eh, je suis pas con, j'ai vu des roues en dessous là. Ah ouais? C'est la trotte. Ah, moi je vais voir. Bah, va voir. Ah, ça y est, c'est quoi? Ah, elle est propre en vrai. T'as vu le bolide de guerre personnalisé? Elle est incroyable, frère. Moi, je kiffe sa mère. Plus que la selle et j'ai tout. Elle est incroyable. Ça change pas le confort. Ça change pas le confort. Bah non. Garde. Tu es devenu plus fort. Paillettes. Détail paillettes or. Oh ouais, c'est propre comme même ça. Sur blanc, ouais, j'ai pas vu ça blanc. Ouais. Holographique paillettes or. C'est quoi, c'est 134, ça, c'est quoi? C'est ta truc YouTube? Ouais, c'est ma truc. Je vais aller m'abonner alors. Tu vas t'abonner. Ouais. Vas-y, Ethan, une petite note sur 10. Ça. Ah. Ouais, je sais pas, c'est un peu, ça pue la merde en vrai. Non, en vrai de vrai. Zach, je te mets à 20, hein. 20 sur 10, c'est nickel. Tu mets combien, Max? Vas-y, 6. 6 sur 10. Mais frère, c'est pas en vrai, bon, en vrai, 10. Mais t'as pas été trop loin, hein. T'as vu? 10 sur 10. Honnêtement. Honnêtement, je pense. On aura plus de problème d'éclairage quand on ira rouler au chemin. J'aurais fait moi-même, ça serait pas aussi beau. Ah non, là, je me la suis donné. Ouais. Le blanc et rouge. Franchement, je trouve ça tue. C'était soit noir ou soit comme ça. Parce que or, ils avaient pas. Non, mais rouge, ça passe bien avec la. Parce que noir, ça aurait fait trop noir. Et tes carrément là, je vois, c'est en blanc. Tu vas acheter quoi dans celle? Je sais pas. Peut-être blanc, je sais pas. En vrai, en rouge, ça fait propre, mais t'as vu, ça flash un peu. Mais oui. Mais là, c'est parce que je l'ai pas encore. Mais je pense blanche en vrai. Ouais, blanc. Putain, les bits, au pire, t'as juste une ça. Ouais, c'est ça. Ouais, les carénages étaient. En fait, c'est ça aussi qui m'a choqué. Les carénages étaient rouges. Mais ouais, moi, j'aime trop. Ah non, c'est pas un hasard. C'est incroyable. C'est pas un hasard. Salut les mecs, donc voilà, on se retrouve pour le résultat 24 heures après. Regardez les amis, je vous la montre, c'est parti. La CRF qui a été finie avec le magnifique kit déco. Bon, les amis, je l'ai posé hier soir sur le dernier morceau, je me suis un peu foiré. Bon,
Bon du coup les amis, voilà la CRF est enfin finie. N'hésitez pas à la noter sur 20 dans les commentaires. Je vous attends pour savoir, pour avoir le résultat. Moi c'est survalidé, il reste plus que la selle. Et ce sera validé à 200%. Toi aussi je pense que c'est pareil. Elle cuit au soleil là, il y a des petits reflets. Comme vous l'avez vu, du coup voilà, n'hésitez pas à aller tout voir, les liens dans la description. Il y a les liens pour la marque qui a fait le kit déco, voilà. Allez les soutenir. Sur ce c'était Léo, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut les mecs. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit.